Ce n'est pas inintéressant, mais... comment dirais-je? Un peu contraint, peut-être. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je peux voir. Mais c'est très bien, ces dessins. Très fort. On sent une liberté qu'on ne retrouve pas encore dans vos toiles. Et on est dans l'intime, ça m'intéresse. Mais c'est trop petit, il faut faire du grand. Faites-moi des grands dessins dans cet esprit et je vous expose. Ouais, c'est marrant, il y a une inscription en dessous, là. Ouais. C'est bizarre. Il y a écrit quoi? S-A-M-E-R. Sa mère la... P-U. Sa mère la pute. Salut. T'as pas trop changé? C'est les cheveux, peut-être un peu, mais... Tu permets que je pose ça? Ouais, je t'en prie. Merci. Moi, j'ai un peu changé, aussi. Waouh! Félicitations. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu? Non, je cherchais les yaourts et je sais pas. C'est un peu grand pour moi, ces supermarchés. Non, je voulais dire, qu'est-ce que tu fais à Cormolin? Après, si tu veux m'expliquer ce que tu fais au rayon biscuits, c'est vrai qu'on peut aussi en discuter. Caporal, logiquement, si nous faisons soldat inconnu, faut prendre un qui a perdu sa plaque. Sinon, c'est plus un inconnu. Bon, si on veut être de retour ce soir, faut pas chipoter sur les détails. Si ça reste entre nous, il peut très bien avoir perdu n'importe où sa plaque. On en prend un qui a une bonne mine. Voilà. Allez, on pose. Mastracci avec moi. Les deux autres, vous prenez la boîte et vous allez chercher là-bas. Comment il s'appelle? Il s'appelle Chopin. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, c'est John. Moi, c'est Sammy. Et toi, Sammy? Enchanté, Sammy. Pas de feu. Merci. Tu peux le caresser si tu veux. Faut y aller franc, sans être brusque. Tout doux. Voilà. Oh, enchanté, Chopin. Tu montes sans selle? Oui. Même ma petite sœur, elle monte sans selle. Je vais la voir, là. Ah ouais? Ah, il aime bien.